Salut à tout le monde, c'est Zedion et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 4 de notre nouvelle aventure. Enfin, pas trop nouvelle du coup, sur Shopkeep. Et aujourd'hui. Waouh, attends, c'est moi. D'accord, on court vite, pardon. Alors, ok. Donc nous en étions. Ah oui, donc nous allions faire cette quête. Alors, ah oui, j'ai agrandi le magasin en œuf, je crois. Toc 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 toc. Donc là, vous voyez, j'ai rajouté ceci dans lequel nous avons mis des bottes et des épées. En fait, nous pouvons mettre 9 petits objets et 2 grands. En gros, c'est comme si on avait une table et 9 petits trucs comme ça. Voilà. Alors, du coup, j'ai tout préparé, donc c'est parti. Vous voyez que j'ai vendu, acheté des trucs en masse. Alors, il faudra voir qu'on rachète un petit peu des boucliers parce que du coup, on n'en a pas assez. Et notre objectif du jour, ben, c'est en fait, on va juste faire une journée simple. C'est quoi? Juste faire une journée simple, une petite vidéo de 15 minutes, ça devrait aller. Tranquille. Ah, bon, on a la première cliente de la journée. Bonjour madame, bienvenue. 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 Alors, c'est moi, on est quand même vachement grand en fait. Ou alors, c'est elle qui est petite. Ah, et vous voyez, c'est pratique, elle va nous acheter deux trucs en plus. Ah, bah oui, ah bah merci madame. Qu'est-ce que c'est que ça déjà? Ah, ils sont les gants. Ce sont les gants. Est-ce qu'on pourrait pas des fois acheter quelques gants? Ouais, quelques gants on va racheter. Elle nous a acheté quoi? Des bottes aussi? Bah parfait. Ah, regardez, je crois que c'est une cliente. Et ben, oui. Oui. J'avais cru qu'elle nous a foutre un gros vent, mais non. Elle est gentille. Coconut drink. What is that? On n'a pas... Faut qu'on débloque. Il faudrait qu'on... Mince. Là. Fréquent. Bonjour. C'est vraiment pratique, comment je savais qu'il était là. Ah bah merci monsieur. Bah écoutez, du coup ça me rappelle qu'il faut que j'achète ça. 3 comme ça. On peut racheter le bot aussi. Alors attends, du coup, qu'est-ce qu'on s'achète en premier? Si on s'achetait des trucs de mage, ça pourrait être pas mal hein. Combien ça coûte? C'est 80. Waouh. 80. Ça fait mal aux fesses. Mais vas-y là. Qu'est-ce que... Ok. Ok. On va avoir du monde. C'est parti. C'est la journée. Alors déjà on commence pas par lui. Merci. Ah, quelqu'un qui arrive. Bon. Bonjour madame. Ok, potion de feu résistance. Enfin de résistance. Je ne savais pas parler français. Ouf. Attendez. C'est un peu sale hein. C'est un petit peu une couche. Ok. Ah oui, bah oui, achète. Achète. Consommez donc tous. Attendez. Mince. Attendez, est-ce que... Ah non. Attendez. Elle m'a rien volé. Attendez, lui, on récupère. Oh mince. Oups. Aurais-je fait une connerie? Oups. Pourquoi le mec il achète un truc et il achète pas l'autre? C'est débile. Ok. Surveillons, surveillons. Ah d'accord. Ah oui d'accord. C'est ce genre de... D'accord. Bah écoute, on va reprendre des gants. Hein. Beaucoup. Beaucoup de bottes. Merci madame. Désolé si je vous regarde pas. Je sais que c'est pas très très gentil. Mais voilà, bon. On a commandé. Alors hop. Et hop. Voilà. Oh putain. Ah c'était chaud, c'était très chaud. Ah, attendez. Ok. On a juste un cadreur au milieu quoi. Ok. Et il le pousse en plus. Allez, vas-y. Ok, cool.
Attendez. Ok, hop, on prend. Alors du coup, je n'ai plus rien à vendre. Je me suis fait dépasser. Dommage. Non. Là, on a des gants à mettre. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est bleu. Oh! Oh! Vas-y, genre l'autre, dans notre dos, quoi, elle nous a volé. Ah, mais arrêtez. Putain, c'est chiant. Attendez, faut que j'achète. Voilà. Mais, oh, mais, c'est terminé, oui? Il y a trop de monde, les gens. Il se passe trop de trucs là. Il se passe trop de trucs. On a toujours notre cadavre. D'accord. On ne fera aucun commentaire sur ce que l'on voit actuellement. Ouais, on manque de stock. Bah écoutez, ce sera pour un prochain épisode. Je pense que l'on reverra bien notre système, parce que là nous sommes pas très performants. Voilà. Et là du coup nous avons... Ok. Alors on va juste voir... tac, on va refaire cette quête. Bon, ah non, attendez, encore des gens. Mais vas-y, mais il marche sur le cadavre. Mais c'est quoi ce bordel? Il marche sur le cadavre, c'est pas normal, c'est pas normal. Oh. Ok. Ok, passé. Je suis un garde de porte. Youm. Ah oui, mais en fait, vous avez... D'accord, vous avez vraiment dévalisé tous les gants de la boutique, quoi. Ok, parfait. Merci, madame. Excusez-moi, c'est un peu sale. Désolé, désolé, hein, c'est... voilà. Nous avons 1300 pièces. Comment dire qu'on est plutôt riche. Oh, 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 alors toi. Attendez. Bah, j'ai plus de gants, hein. Vous avez vraiment acheté je sais pas combien de gants aujourd'hui. Waouh, quelle journée. Pleine de d'action. Mince, peut-être pas trop non plus. On va en acheter 6. On va acheter 6 comme ça aussi. On va acheter 10 comme ça. Non, 6 comme ça et 6 comme ça. 1200 pièces. Ah, un succès. I said there is more. Ok. Bon, du coup, en fait, j'ai déjà des achievements de mes anciennes parties. Désolé. Oh. Attendez, c'est une icône. Pourquoi ça? C'est faut que je répare. Ah oui, merde. Ok, il y a des... heureusement qu'il y a des icônes pour prévenir parce que j'aurais jamais repensé, vous voyez. Ah ouais, en fait, ouais, c'est limite. C'est... ouais, franchement, faut vraiment bien gérer le truc, hein, parce que... Attendez, on a déjà fait tout ça de la quête. Alors toi... toi, je te... comment... ah d'accord, je gagne un niveau. On se dit, tiens, ah, j'ai tué quelqu'un, c'est cool. C'est tu gagnes XP en tuant les gens en fait dans ce jeu, c'est plutôt cool. Ça va. Ouais, je mets mon micro, ça filme bien. Toujours des petits doutes hein, quand vous filmez des vidéos sur YouTube, si ça enregistre bien, si vous avez bien mis le micro. Ouais, c'est pénible. Enfin, c'est pénible, c'est le jeu quoi. Enfin, c'est le jeu. Ok, bah toi direct. Alors toi, mais toi t'es trop mort. Mais regardez, ils sont tous morts à l'intérieur de notre magasin. Oula, vous êtes bien nombreux là. Attendez.
Voilà. Oh, putain, on se fait voler, mais... Oh, mais arrêtez! Putain, c'est le bordel. C'est le bordel. Bah, c'était une journée dure. Alors, du coup, on va faire le ménage et on va préparer le prochain épisode tout de suite. Alors. Hop. Voilà. On va juste attendre que les portes se ferment pour aller faire un tour dehors ensuite. Et nous allons donc voir. Déjà, combien nous avons de points? Alors, déjà, pour commencer, voyons voir notre nombre de points. Skills, 85. C'est plutôt pas mal. On peut s'acheter. On va s'acheter donc Maintenant, nous avons donc les objets de magie, en fait, des magiciens. Par exemple, les potions de mana, les gants de magicien, les bâtons, baguettes magiques. Oh! Voilà, on va s'acheter ça. Mais tout d'abord, on va faire un petit côté build. Alors déjà, il nous faut impérativement, surtout si on a des potions de mana, se faire ça. Alors bon, par contre, ça... Ah bah du coup, les... Ah bah c'est cool, du coup, les machins de magicien, ça va être cool. Ok. Comme ceci. On va s'en faire deux. Voilà. C'est le bordel à gérer. Alors ça, ça c'est peut-être pour les chapeaux, mais on va pas le faire tout de suite. On va juste refaire un petit truc comme ça. Est-ce qu'on fait ici ou comme ça? On va le faire comme ça. Alors n'hésitez pas à proposer vos suggestions pour le magasin. Hein. Je suis tout ouïe, je prendrai note. Là, on va mettre le petit porte-armure qui va bien dans le coin. Et ça plutôt pas mal. Bon, là par contre, on a plus de fric. On va du coup commander ce qu'on a plus, donc ça. On a un peu des potions de mana, donc si, je pense. Deux gants comme ça. Une baguette magique. Ça semble correct. Du coup, on peut poser nos. Ah, mais attendez. Bon, on va mettre ici des trucs de magicien avec. On pourrait mettre les baguettes ici. Ouais, ça pourrait être pas mal. Hop. Du coup, ce qu'on va faire, on va reprendre ici. Ici, ça va être le stand de potions bizarres. Enfin, autre, genre les gants. Et on va mettre d'autres choses. On verra plus tard, genre les potions, vous verrez. Là, on va mettre. Une étagère potion de soins et là-bas une étagère potion de trucs. En attendant, nous allons récupérer ceci d'abord. Bah, d'abord, nous allons tout faire, puis on arrêtera après. Alors, hop, 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 on met tout ça là-dedans. Ah non, pas ça du coup. Ça, on va y mettre ici parce que sinon l'intérêt était réduit d'acheter ça. Hop, et voilà. Et voilà. Donc là, maintenant, hop. Ah oui, on peut mettre nos armures. Alors, je sais pas si je vous avais dit, j'avais trouvé des objets en œuf. Des objets un peu bizarres. On va pas les prendre, hein, bien sûr. Tout ce qu'on va prendre, c'est ça et ça. Parce qu'on va pouvoir y mettre en vente. Et ça aussi. Maintenant que nous avons un porte-vêtements, enfin armure, nous allons. Hop. Voilà, nous pouvons vendre tout ça. Nous allons faire un tour dans la ville. On va voir s'il y a des trucs. Ah, je crois qu'on a des petits trucs nouveaux ici. Ah, mais en fait, notre maison doit se compléter. Ah oui! La maison, elle doit se compléter au fur et à mesure qu'on pourrait résoudre. Regardez, il y a des petites pièces. Oh, c'est génial. Bonjour. Je suis étudiant. Okay. Par contre, ça c'est quoi ça? Ok. Sinon, il n'y a rien d'autre. Ah, peut-être que... Sinon, ce sont des livres. Ok. Bon, tant pis. Alors, voyons... Putain, c'est le bordel. Alors, hop, hop. Ah, oh, bah parfait. Une armure qu'on va vendre pour... J'espère qu'on va pouvoir vendre facilement. Ensuite. Ici. Bah, un arc, hein. Bien sûr, un arc, hein. On trouve tellement d'objets hyper chers. Hop, alors. Ah, ici. Ah bah oui. Oh, alors oui, alors je crois que quand les objets sont écrits en bleu, c'est que ce sont des objets, enfin, genre, vous êtes des objets de type normaux, rares, enfin, communs, rares. Très rare et extrême ou un truc ultime, un truc comme ça, je crois. Et là, c'est un bleu. Ça me semble correct pour une poubelle. Et pourquoi en fait? Comment les gens nous posent des objets comme ça et nous achètent juste des trucs pourris? Censés progresser avec nous, mais bon, tant pis. Bon, sur ce, c'était Zedion. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao tout le monde!